think twice now. You got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Cause when I saw you, there was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around them. Maybe we can dive right in. Dreams and I got dreams to live.
I was restless and stranded on my own.
Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't hide how I feel about you. Nothing can take that away. Cause you make the world so beautiful, so beautiful.
To the waves, babe. I know that you want it to. It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be finding. Got your body close to mine. Baby, if
Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Vimity Gaming. Comme vous pouvez voir ce soir, il y a un match sous l'Hard qui va affronter la SCT, hein, Esport. Bien sûr, on va voir directement avant de lancer, parce que j'ai vu que tout le monde y avait rejoint ce magnifique lobby. Et là, on va partir sur l'épic des ban maps. Comme vous pouvez voir, un café qui a été ban, Oregon qui a été ban, Border a été ban, Consulat a été ban, Chalet a été ban, Labo a été ban, Banque a été ban, Gratte-ciel a été ban. Et bien sûr, on va jouer sur Clubhouse. On va partir sur cette défense sous Hard et cette attaque du côté de SCT. Hein. Voilà tout simplement, voilà la prédiction des ban maps. Et là, on va voir justement, on va mettre directement cette équipe qui sont prêts et en direct, comme toujours. On va changer. Voilà. Je vais demander s'ils sont prêts. Bonsoir à tous. Allez, hein, ça va être attention, ça va être chaud bouillant, hein, entre les deux équipes. Hein, n'oubliez pas qu'on nous sommes à la division Challenger. Attention, ça peut faire très mal. On va du côté non, 2 minutes, ok. Ok, problème de mos qui vont essayer de justement d'installer au maximum avant de lancer, hein, cette BO1. N'oublie pas que c'est en BO1, c'est peu à l'extra rapide. Et bien sûr, après, peut-être moi, on se verra sûrement demain à 21h et puis lundi à 21h. Voilà, tout simplement pour un beau petit week-end, un samedi, hein. Ok, du côté de SCT qui sont prêts de leur côté. On attend du côté de Soulard, justement, quand ils sont prêts, avant de lancer ce magnifique BO1 du club. Et on va voir comment ça se passait entre les deux équipes, hein, justement. On verra s'ils sont tellement chauds. Vous pensez qu'il y a deux équipes qui sont bouillons ce soir, qui vont nous montrer? Prédiction, on va dire entre guillemets, ça va peut-être sentir une prolongation. Je le sens pour ce magnifique samedi du week-end avec de l'ambiance et tout. N'oubliez pas, tous ceux qui sont sur le chat, venez encourager les deux équipes pour donner du soutien et le mental. Donnez de la force, justement, les deux équipes. Allez, tant qu'ils sont prêts de l'autre côté, on attend. On voit du côté de SCT qui sont prêts de leur côté. On attend et quelques mos qui vont être installés du côté de Seward. Et avant de lancer ce magnifique boin, on est dans les temps. Hein, tant que ça se lance pour 21h15, 15 minutes de délai, hein, je tiens à le dire. J'espère qu'ils sont très chauds là ce soir pour nous montrer du bon jeu. Tous. Ok, ils sont prêts. Bonne chance à tous.
Allez, c'est parti, on y va, c'est parti pour ce magnifique BO1 Challenger Division pour le tournoi de LC Winter. Allez, on va partir directement sur cette BAM agent. Et on va commencer directement l'exclusion de cet agent pour cette map club du côté de Soulard. Quel agent qui va être ban pour cette attaque pour donner de difficultés du côté de la SCT Esport. Alors on va voir d'ici quelques instants. Allez, Ibana qui pouvait jouer un rôle. Hein, pour faire les petits trous sur les murs et tout. Et là justement il est ban et on pourra pas jouer sur cette map club. Allez, on est parti justement sur le deuxième agent qui va être exclu du côté de SCT Esport. Quel agent qui va être ban pour cette attaque pour donner des difficultés du côté de Soulhard. In conjura pas sur cette map. Voilà l'exclusion. On va passer justement sur le troisième agent de cette défense du côté de SCT Esport. Quel agent qui va être ban pour donner des difficultés du côté de la Soulhard. Allez, Tubario, justement, conjura pas, a été exclu hein, pour cette map club. Et bien sûr, le dernier agent qui va être exclu du côté de Soulhard pour sa défense, pour donner des difficultés du côté de SCT Esport. On attend avec impatience. Quel agent qui va être ban. Allez, Solis qui vient être ban. Voilà, la phase d'exclusion est terminée. Maintenant, on va passer sur cette manche 1. Et on va partir sur le BP du côté de Soulhard. Et on va partir sur la BP Eglise Armory avec cette composition de sa défense avec Lésion, Kaïd, Fenry, Azami et Oryx. Et bien sûr, du côté de SCT pour cette attaque avec X, Fenka H, Ibana Buck. Et on va démarrer cette première manche. Hello. Prenez place hein, pour regarder ce magnifique match de LC Winter. Pour ce magnifique BO1 Sud Air qui va affronter la SCD Esport. Alpha de désarmer vos bombes. Allez, on voit qu'il va se mettre en position directement. Et on va découvrir justement cette première manche pour cette attaque du côté de SCT. On va voir comment ils vont essayer de reprendre le BP de Soulhard. Et justement essayer de faire tomber quelques kills hein, de leur côté. Attention, ça peut être un match très serré hein, pour cette division Challenger. Hein, c'est la première fois que je casse cette session. Et on va voir comment ça va se passer. Entre les deux équipes, comment ils vont se donner. Comment ils vont essayer de reprendre du magnifique BP. L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer une bombe. Allez, on est parti hein, du côté de SCT. Hein, on va commencer sur Cassier. Hein, il est justement qui a pris Buck. Et Sinex qui rentre justement dans cette pièce. Pour essayer d'avoir la formation. On va aller faire un petit tour hein, en termes de tous les agents. Pour qu'on voit Théo qui commence à droner. De Kibi qui va passer côté garage Vidark. Qui essaie d'avoir sa formation. On voit Redo qui se met en position justement sur l'escalier. On va peut-être chercher Suguel. Ouh, il vient de se prendre quelques balles. Peut-être chercher Suguel. On le sait qu'on est à la formation. On sait qu'on est, on est positionné. Voilà, Redo qui veut pas rester au même endroit. Ils préfèrent changer. Ils savent qu'ils étaient là. Alors faut pas trop insister et trop piquer. Allez, on voit Ligue qui vient de prendre quelques balles. Hein. De Sinex qui a su faire tomber justement les. On est passé en 54. Attention, la petite tête qui va se prendre du côté de Robidicien. On est passé en 5v3. Attention à ST, hein. C'est sa première round de cette attaque et on va voir comment ça se passe. Et les Sinex qui drone, qui essaye d'avoir les informations nécessaires. Elle est Théo. Avec Capitao, hein, on voit. Misma. Ou Mismo, on va dire. On est passé en 5v2. Vidaik
qui a su faire tomber Varone. Attention, ça donne l'avantage hein, du côté de SCT qui lâche pas prise pour cette première round de cette attaque. Hein, il faut pas lâcher hein, du côté de sa défense, du côté Sylvain qui va essayer le maximum. On va aller voir Redo qui en positionne. De toute façon, pour prendre ses arrières, pour essayer d'avoir la formation. Il sait pas qu'on est là. Il sait pas. Alors maintenant, il sait. Hein, il va peut-être essayer de chercher ce kill peut-être. Peut-être le chercher, et non, le contact n'a pas été pris, la petite double du côté de Mismo. Attention, il reste plus que Freox qui s'attrape, on sent la page. Et voilà ce premier round, la manche parfaite du côté de SCT Esport qui va prendre cet avantage sur cette round sur un score de 1 à 0. Allez, on est parti pour cette deuxième manche et on va partir justement sur un BP Église Armory du côté de Soulard avec Valkyrie, Kaïd, Lésion, Azami. Oryx et bien sûr du côté de SCT Esport avec As, Dokebi, Capitao, Yana et Buck. Et on va partir sur cette deuxième manche. Allez, 1-0 sur le score, tout peut se changer sur cette round pour venir égaliser. On n'a pas le choix. Allez, on est parti hein, pour se mettre en position. Elle n'oublie pas de venir encourager les deux équipes en direct sur Twitch avec un délai décalage de 3 minutes pour éviter les stream hacks, je tiens à le dire. Alors automatiquement c'est normal, vous voyez un décalage. 10 secondes avant insertion. Plus que 5 secondes avant insertion. Ça va les réveiller un peu. Alpha doit trouver et désarmer la bombe. Hey, on est parti, hein. On voit Azami qui, on voit qu'il est en position dans ce garage. On va voir comment ça va se passer du côté Buck. Allez, on passe dans striptease. Une bonne petite musique pour un samedi. Déploiement du code. Allez, Mismo qui fait bip bip, allo allo, décrochez votre téléphone, j'arrive, et justement, Théo qui a été chercher ses deux kills, en plus qui vient de tomber. Allez, Sinas qui vient de tomber sur les balles de Robin Q. On est passé en 3v4, attention. Toujours l'avantage sur cette rune du côté de SCT Esport. Là, le drone a été détruit. Allez, Mismo, qui descend par cette trappe, qui va rejoindre son collègue. Utilisons qui vient de se détruire, Vidac. Il y a eu cette position, on le sait que l'information y est là. Red qui va y chercher, il va revenir sur BP. Varone. Varone, qui est en position, on voit qu'il regarde sur les 4. On va essayer de garder ce magnifique contact. Attention, hein, il reste toujours 1 minute 25. Allez, on va peut-être chercher ce qui peut-être ce duel. Oula, là, il vient de chercher. Il a su faire tomber Ridou. Attention, on est passé en 4 vides. De toujours avantage du côté de SCT. Très difficile, hein, du côté de Sword pour cette défense. Il y a les Théo, justement, qui regarde les cannes pour voir les informations nécessaires. Mixmo avec Dokibi qui regarde justement côté moto. Vidark. Varone. Varone qui sont en position, on sait qu'on était là. De toute façon, ça commence à baler. On va aller passer en 3v2. Peut-être chercher ce duel. Il a pris quelques balles. Allez, on est passé en 2v2, attention, hein, très serré pour cette manche, il reste toujours 24 secondes. Ouais, et en plus, il n'y a pas la bombe. Oh, ce duel qui vient de tomber, oh là, Robitu, il vient de tomber sur les balles. Là, il reste plus que Varone qui va être compliqué. Justement, 1v1,
vu qu'il y en a un qui est blessé. On voit justement qui vient se faire animer. Ça va être difficile, il connaît pas la formation. Il sait qu'il est là, ça va être très difficile. Allez, on va essayer de poser. On n'a pas le choix. Elle est Véron qui a voulu essayer de tenter le coup. Il y a Cassis qui est arrivé. Autant du côté secteur de moto et qui a été chercher ce duel. Attention, on part sur un score de 2-0. Allez, Suard, c'est le moment de vous réveiller. Faut pas se lâcher, au moins remporter quelques rounds de sa défense pour essayer de finir. Égaliser justement avec SCT Esport. Allez, on va partir sur un BP, sa chambre, salle de sport du côté de Soudarn, avec cette composition de sa défense, avec Frost, Bandit, Castle, Mozy, Azami, et bien sûr du côté de cette attaque, SCT, As, Dokebi, Sledge, Yana et Buck. Et on perd sous cette manche 3, 2-0 sur le score. Attention, tout peut se changer à cette rune. Voilà, on voit justement qu'ils sont en train de se mettre en position. Allez, on est parti, on voit du côté du castle qui est en train de finir, enfin ses petits trous sur le mur, on pose son castle. Et justement, Azami, qui est toujours côté secteur garage, tout près de l'escalier, il se cache, il attend après un petit client qui va se présenter du côté de SCT. Et là, on voit qu'il va peut-être pas passer dans le même endroit. Théo, Mimo. Allez, on va sonner le petit portable. Allez, il est en décrocher. Allo, allo, allo. Oula, Sinès qui vient faire tomber Redo. Là, on passait en 5v4. Allez, peut-être chercher le kill, le duel, peut-être. Oh, Sinès qui, a pas été efficace là-dessus pour cette action. Et là, on voit Robitu qui a été chercher ce duel. Et là, on est passé en 4v4. C'est équitable, équilibré de chaque côté. Attention, peut-être la Soulard, c'est peut-être son rune pour eux. J'espère pour eux. Allez, Cassis. Elle était au key drone côté chantier. Essayer d'avoir les informations. Et là, justement, on voit du côté de Cassis qui a été chercher ce duel, qui a su faire tomber Robitu. Et là, on est passé en 4v3. Allez, on voit qu'ils sont là. Il y a Véron qui se met en position justement à la trappe parce que c'est obligé qu'il y en a qui saute à la trappe et l'attend. Non, il a bougé. On voit qu'on est passé justement Lane qui vient de faire tomber sur les balles. Oh, Véron qui vient tomber aussi. On est passé en 1v4. On voit du côté de Sud Hard qu'ils ont du mal. Et voilà Théo qui finit ce duel. Et SCT qui remporte encore ce round. Et là, on va partir sur un score de 3-0. Allez, Souverain, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se réveille. Allez. Allez. Temps mort qui vient de demander justement du côté de Soulwern justement pour réveiller cette équipe parce que se prendre 3 manches comme ça en attaque, ça va un peu complexe et un peu compliqué pour eux. Merci pour votre follower, prenez place. Allez, il reste 24 secondes, le temps que le capitaine qui réveille son équipe pour essayer de revenir parce que là c'est très difficile hein, de gagner quelques rounds de sa défense, hein, surtout en défense. C'est gagné au maximum et on voit du côté de SCT Esport justement qui arrive à avoir cet avantage les 3 manches pour cette attaque. Hein, ça va donner un petit appui en plus après quand ils vont changer le rôle en défense. Et là justement on va partir le temps mort qui vient de se terminer. On va partir justement sur un BP Eglise Armory avec cette composition de sa défense avec Azami, Lésion, Kaïd, Wanmei. Et bien sûr, du côté de Freos, qui va choisir son dernier agent. Wanmei
Et du côté de SCT Sport, il prend S, Doki B, Sledge, Shiana H. Et on va partir sur cette quatrième manche. Attention, on est sur le score de 3 à 0. Allez, Sugard doit se réveiller maintenant. On n'a pas le choix. C'est là que le technique qui commence avec le temps mort. Il faut réveiller l'équipe avec le mental et essayer de faire le remontada. Au moins de remporter ces 3 défenses pour venir égaliser sur le score de SCT. Que eux qui prennent quand même cet avantage. Allez, on va attendre d'ici 20 secondes le temps qui pose justement les murs, faire les petits trous, renforcer les murs du chantier. Pas le choix. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Allez, on est parti, on lance. On voit du côté de Soudard qui est en train de finir mettre ses cannes avec Valkyrie. Attention, moi je sais où ils sont cachés, mais je vous le dirai pas. Hein. Allez, Théo qui justement qui monte sur le toit. Mixmo qui regarde sur ses cannes. Détruit cette caméra dehors. On va aller voir du côté du rideau. On voit qui visionne justement les caméras. Il sait qui a la formation. J'espère qu'il a vu l'agent qui est arrivé là, au côté garage. Il est justement lésion. Robitu. Ah, Ferreos qui vient de se faire descendre de la part de Cassis. Là, il est passé en 5v4. Attention, une petite bibib qui sonne. Ah, et Redo qui a pris quelques balles. Et là, on est passé en 5v3, 4v3. Attention, ça peut aller très rapide. Il reste toujours une minute 47, ça va être compliqué. H qui se met déjà en position. On va être chercher du duel. Et non, ça n'a pas été pris. Redo qui a su faire tomber Cassis. Et là, on est passé en 3v3. Allez, on continue. Théo, on est passé en 3v2. Mixmo qui a su faire descendre Valkyrie. On voit du côté de Soulard hein, qu'ils ont du mal hein, à gérer sa défense. On va aller voir du côté de Veron qui est en train de garder justement le côté bleu. Et Robitu qui est sur BP. Il y a la formation. Mais attention, ça peut partir. La petite tête qui vient de se prendre. Oh non, Mismo qui a joué ce duel. Et là, on est passé à 1v3. Attention, le rond qui s'en trouve tout seul, ça va être compliqué pour lui. Et en plus que la bombe qui vient de se poser, on n'a pas la formation. Oh, et Miezo qui continue dans ses néants. Et qui remporte encore cette rune du côté de SCT. Attention, on va partir sur un score de 4 à 0. La Sword, qu'ils ont du mal hein, pour cette défense. Attention, c'est le moment de se réveiller. Hier, n'oublie pas qu'on a eu un 7-0 dans une note major. Si tu dois être major. Allez, c'est le moment de se réveiller. Hein. Je veux pas que ça finisse assez rapidement. C'est vraiment dommage. Parce qu'hier, la partie, elle était finie en 28 minutes, en gros. C'était rapide, je trouve, à mon goût. Et là, justement, on va partir sur un VP chambre. Et salle de sport du côté de Sword avec cette composition de sa défense avec Azami, Mozy, Castle, Bandit. Alpha doit trouver et Frost. Et on voit du côté de SCT hein, toujours la même composition. H, Yana. Toujours la même. Avec Dokibi, As. Allez, 2-4-0, allez, on est sur cette cinquième manche, avant-dernière round, avant changement. Allez, il faut se réveiller, hein, on n'a pas le choix du côté de la Soudard. Allez, c'est le moment, c'est le déclic. Il reste 10 secondes. Ça peut aller très vite hein, sur cette manche. Faut pas avoir l'espoir. Avoir le mental. On voit que Veron, justement, qui est en train de renforcer justement du côté chambre, à côté. Là, ils sont en train de finir le castle par des petits trous pour donner avantage, passer juste en dessous.
Elle est Robitus qui fait un petit trou pour donner accès. J'aime bien le petit trou, hein. Il y a des fois tu fais pas attention. Tu passes au mauvais moment, t'arrives là, poum. Elle est Cassis justement qui est là. Il attend. Il bouge pas. Sinex. Je sais pas qui est là. Il a pas vu qu'il était à droite. Il a pas vu qu'il est à droite. Il sait pas la formation, hein. Il va pas bouger des toilettes. Il a pas la formation. Il a pas la formation. Il est à droite. Il a pas vu qu'il était à droite. Attention le frost. Il peut être chercher ce kill, voilà. Et là on est passé en 4v3, 3v3, c'est équitable, équilibré de chaque côté, 3v2, attention toujours avantage, peut-être cette route là que la Sudward qui va peut-être se réveiller au moins. Attention le C4. Le C4 qui a pas été pris directement. Elle est sortie à la pause du côté de SCD. On va peut-être chercher ouais, le poil qui va tomber. Et là on est passé en 2v2, attention DV1, Théo qui se retrouve tout seul. On est en train de désamorcer cette bombe. Fausse alerte. Ah là 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 là, c'est dommage, c'est dommage. T'es bien tenté. C'est dommage. Allez, le S-Ward, c'est là. Ça va commencer. On va partir sur un score de 1 à 4. Allez, ça va commencer à se réveiller. Allez, on attaque sur cette manche 6, bien sûr, comme on dit toujours, ce sera le dernier round de sa défense du côté d'Ala Soulard. Et bien sûr, dernier round aussi du côté de SCT, Esport de cette attaque. Et justement, on va partir sur AVP, salle des recettes, salle de surveillance avec Azami, Mozi, Wedme Bandi, Estorn. Et bien sûr, du côté de SCT avec As, Dokebi, Green, Yana et Buck. Et 4-1 sur le score. Allez, Sugayern. Ils n'ont pas le choix de gagner cette round avant changement de rôle. Et là, on verra comment ça se passait. Il y a des fois, on peut rester pendant un moment bloqué à haut score. Hein. Et on est pas reparti. Dernière round avant le changement de rôle. Il faut aller au taquet. Allez, ceux qui sont sur le chat, allez venir encourager les deux équipes. La Soulard et SCT Esport 4-1. Sur le score, attention, tout peut s'échanger sur ce round. Allez, il reste encore 17 secondes avant de lancer ce round de ce match. Et on va voir comment ça se passait justement du côté de Soulard, qui reste encore quelques secondes. Il reste 5 secondes. L'objectif d'Alpha est de localiser et de désarmer. Allez, on est parti, on va aller voir du côté de Cassis. Qui a pris le bug dans cette position. Sinex. Théo qui a pris Capitao. Allez, Mixmo. Allez, on voit attaquer justement. On met la petite clé morte par protection, on sait jamais. Hein, côté garage, on voit Cassis qui vient être tombé de Repitus. Non, il est passé en 5v4. Attention. Pas se lâcher hein, du côté de ST Esport. Allez, Vorone. Pas eu le temps, c'est dommage. T'as pas été assez rapide pour poser ces bandits. Et voilà, la porte ici est ouverte. Ça va être compliqué. Allez, on voit, il y a du Montane. Montane qui va entrer côté garage. Voir la formation de Redo Voron qui sont BP. Elie qui est au garage. Je ne vais pas leur faciliter la tâche. Robitu. Freox. Ils sont tous en position du côté de la Soulard.
Maintenant, on va voir comment, du côté de SCT, comment ils vont essayer de gérer pour essayer de reprendre justement le PP de Soulward. Ça va être compliqué. On voit, il prend quelques balles, Capitao, on est passé en 4v4, et Sinès qui a été chercher ce duel, qui a fait tomber Freos. Il reste toujours 1 minute 17. Vida qui a été chercher ce duel, il a fait tomber de haut. Et là, ça tombe comme des mouches, on est passé en 3v2. Et là on a essayé de poser cette bombe. Ça va être compliqué là du côté. Le C4 qui a pas été pris directement. Et attention, SCT qui prend encore ce round. Et là on va partir sur un score de 5-1. Et là, changement de rôle. Allez, changement de round, on va dire l'AST il va passer sur sa défense et du côté de Soulhard va passer sur sa tête. Et là on va démarrer justement ce magnifique BP. Première chambre, salle de sport avec cette composition de cette défense du côté de ST avec Mira, Bandi, Wanmei, Azami et Castle. Et bien sûr du côté de Soulhard avec Grim, H, S, Buck et Fanco. 5-1 sur le score, attention, attention la SCT. Peut facilement garder ce magnifique BP, hein, 2 points pour remporter ce BO1. Il faut pas se lâcher hein, du côté de Soulhard. Surtout qu'il est là qui part directement pour cette attaque. Allez, on y va, hein, on y va, on y va. Ça, on voit du côté de SCT qui est en train de se mettre en position. Hein. Là, on va démarrer. Justement côté chambre et on va voir comment ça se passait du côté de le SWAT, comment ils vont essayer de reprendre ce BP. Allez, on va démarrer. On voit qu'il y a des agents qui ont été changés du côté de SWAT. Et là on va partir sur Redo. Redo qui a pris Thatcher. Allez Vaughn qui a cette bombe. Cette caméra. Oh, mais qui a cherché! Et non, Théo qui a été cherché ce duel, qui a su faire tomber. Et là, on est passé en 5v4, ça va être difficile du côté de Soulhard. Je sais pas si c'est leur jour de chance. Va être compliqué, allez, il faut pas se lâcher, il faut se réveiller. Les Cassis qui sont en position, on voit le trou. Peut-être chercher l'information directement, et non! Cassis qui était trop tard, il voulait pas bouger. Et voilà, Freos qui a été fini ce magnifique kill. On est passé en 4v4, attention, ce n'est pas prévu entre chaque côté. Avec Sophia qui fait des petits coups ici avant la formation nécessaire. Allez, ça va commencer hein, à attaquer rapidement. Et Sinex justement. Et les Mujumo. On se positionne justement. Allez Freos justement qui drone. Il reste 1 minute 31. Allez, il y a une qui rentre. Allez, une petite bip hein, pour la protection. On sait qu'on est là, on va peut-être essayer de chercher. Là les amis, on voit qui se cache derrière cette protection. Théo qui est en déplacement côté escalier. Théo qui pète ce magnifique castle. Allez, il reste 1 minute. Très difficile hein, pour trouver. Hein. Allez, on essaye hein, du côté de Vorone qui essaie de droner pour essayer d'avoir les informations nécessaires. Très difficile. On le sait qu'il y a quelqu'un derrière son Mira. Allez, on va chercher peut-être la petite tête. Et non, il vient de se prendre Sinès. Qui a bien joué son duel. Et là, on est passé en 4v3. On voit du côté de Soulhard qui est très difficile. Hein. Voilà Vidak qui vient faire tomber Vaughn. Et là, on est passé en 4v2. Freos qui vient faire tomber Vidak. 2v3. Ça va être compliqué hein, du côté de Soulhard. 15 secondes en plus, qui a pas la bombe. Ah, bah c'est bon. Ils ont la bombe. Freos. Peut-être essayer de chercher ce duel, mais passant à V2, peut-être chercher ce duel, peut-être essayer de jouer. Et non, Mismo qui a été cherché, qui a su faire tomber
Freos. Aïe aïe aïe, le C4 hein, qui a pas passé directement. Et là on va partir sur cette manche décisive du côté de SCT. Manche décisive de leur côté. 6-1 sur le score, attention. Sulward, ils n'ont pas le choix de gagner au moins 5 rounds pour venir égaliser. Et là on va partir sur un BP Église Armory du côté de SCT avec cette composition Mira, Kaït, Mut, Goyo et Jacker. Et bien sûr du côté de Sulward pour cette attaque avec Green, Ash, S, Sbuck et Sophia. Allez, on reste que quelques secondes. Allez, Sulward, ils n'ont pas le choix, c'est de faire leur matada. Manche décisive, ça va extra rapide. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos. Allez. On va voir comment ils vont jouer justement SCT. Cette position, on voit qu'on va essayer de renforcer après sûrement le chantier. Et garder ce magnifique BP pour éviter justement Sulward. On voit, ils sont pas très en forme là ce soir Sulward. Ils ont marqué une manche pour cette défense, mais là en attaque c'est pas facile pour eux. C'est moment de se réveiller et de pas lâcher prise. Essayer de faire le remontada, de pas trop partir. Allez, on est reparti. On voit qu'ils sont partis renforcer justement ces murs de chantier. Et là, on va partir sur Overrun. Allez, Robitu qui drone les informations du côté garage, Freos qui monte sur le toit. On les voit du côté de Cassie qui est en train de positionner ses derniers accessoires. Ainsi, Sinex, Goyo. Elle est Théa. Théo qui se met en position. Attention, on vient de péter justement ce magnifique fenêtre. Allez, il y a du mute. Et Cassis justement il est en train de donner. Oh, ça y est, le contact, il sait qu'il est là. Est-ce qu'il va réagir là? Allez, il s'est fait drôler une deuxième fois. Chez toi, reste pas là. Ils savent que la formation. Voilà, ils vont venir te pêcher directement. Et voilà, il fallait pas le risquer. Hein. Tu t'es fait drôler deux fois, il fallait changer. Et là, on est passé en 5v3. Attention, Daron Cassis faire tomber Cassis. Ça donne l'avantage du côté de Sulward. Voilà, c'est ça, hein, c'est compliqué pour eux. Là, on est passé en 5v2. Allez, ils peuvent le faire, hein. De toute façon c'est très difficile pour eux, mais on peut que Vismo qui a pris très cher. Hein. Et là on est passé en 4v2. Allez, on a toujours sur cet avantage de côté de Sulward. Avec les flammes, c'est difficile. Peut-être chercher la formation, on sait qu'on est là, on va essayer de chercher. Et là, le petit C4 qui a fait plaisir, on est parti en 3v2. Attention, hein. Tout peut se jouer sur cette manche. Faut pas lâcher les prises du côté de Sulward. Là, on essaie d'envoyer la formation. Et là, on Vidak. Qui se retrouve tout seul, on va rester sur lui. Et en plus, il y a l'agent spécial Mira. Allez, peut-être qu'il va essayer de faire ses 3 kills. Il y a moyen. On essaie justement d'avoir la formation. On drone. Et on n'a pas cette information. On va y aller. Les assaillants ont localisé une bombe. Il y reste toujours 31 secondes. Allez, on va essayer peut-être poser. Vida qui va prendre ses positions. Allez, on va commencer à entrer. Et voilà, Freos qui a cherché ce duel. Attention, peut-être Sulward qui va essayer peut-être ici de revenir dans la course. Et là, on va partir sur un score de 2 à 6. Attention, Sulward, qu'ils n'ont pas dit le dernier mot. Attention, des fois on peut rester à 6 pendant un bout de temps. Hein. On est toujours sur la manche décisive du côté de SCT. Et là justement, on va partir sur Église Armory. Avec cette composition de sa défense avec Mut, Goyo, Mira, Kaïd et Joker. Et bien sûr du côté de la Sulward avec Green, Ash, S,
Buck et Twitch. On est toujours sur cette manche décisive du côté de SCT Sport. 6-2 sur le score. Attention. Attention, la remontada qui peut être efficace peut-être du côté de la Suran pour essayer de revenir. Hein, il faut qu'il gagne maximum les 4 runes pour faire cette prolongation. On n'a pas le choix. On va mettre Limoges. Les 6-2 sur le score. Tout n'est pas fini, tout est rattrapable. On peut faire la remontada. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Redo. Allez, on va chercher voilà ce premier kill. Sinès qui va tomber sur les balles de Robidu. 5v4. Qui est en position. On voit du côté de SCT qui sont en position et qu'ils attendent justement Soulward de venir petit à petit devant eux. Allez, Veron. Et les Cassis qui est toujours sur BB, Azali. On voit, ils sont un peu éparpillés du côté de SCT. Allez, ça va commencer à attaquer. Ça y est, la trappe qui vient de se péter. Pour avoir un peu plus d'informations, on voit qu'on fait des petits trous. S'attaquer, ça va bouger, il reste toujours 1 minute 12. Hein. Attention, le pronostic peut aller extra rapide, hein. Ça passe vite. Hein. Et les Cassis prend cette référence. Allez, on ne sait pas exactement Seward où qu'ils vont passer. Peut-être côté chantier, une partie. Peut-être hein, une partie sur le chantier, côté cuisine, on va voir. Bah, difficile, hein, là on se met déjà en position au-dessus de la trappe pour chercher une petite tête du côté de SCT. Allez, on est passé en 5v3, allez on est passé, Redo qui a su faire tomber Cassis. 5v3, hein. Attention, Swarp qui n'a pas dit son dernier mot. Attention, on est passé en 5v2. Féroce qui a su faire tomber. Oh, il s'est fait aller. Ah oui, était non. Le contact qui est mal passé. Vidar qui se retrouve tout seul. Et voilà, Soulard qui va revenir tout à petit. Hein, le dernier duel qui a été fait par Féroce qui a su chercher ce kill. Et qui remporte sur le score de 3-6. Attention. On voit du côté de SCT hein, qui il faut essayer de remporter ce dernier round. 3-6, attention. Attention à la remontada. Et là on va partir sur un BP Église Armurie du côté de SCT avec cette composition de sa défense avec Vigil, Valkyrie, Smoke, Fenry et Lésion. Et bien sûr du côté de Soulard avec Rin, H, S, Termite et Thatcher. Allez, on va partir sur cette manche 10. 6-3 sur le score. Est-ce qu'il va y avoir un remontada? Est-ce qu'on va partir en prolongation? Suspense. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il va y avoir une prolongation? Je suis à sec. Très difficile. Voilà, je mets en position. On voit Valkyrie qui est en train de positionner dans le chantier, renforcer sûrement des murs. Ça va piquer pour justement donner
trop d'avantages. Allez, hein, il reste plus qu'à une manche du côté de SCT hein, pour apporter ce magnifique B1. On n'a pas le choix. Attention, la remontada. Ça avance petit à petit du côté de Sword. Il peut facilement revenir sur le score. Et je vous l'ai dit, des fois on peut rester assis pendant un moment. Il sera dommage de partir pour cette prolongation. Allez, on voit du côté de Sword qui vient de quitter leur spawn pour essayer d'avancer. On voit Cassis hein, qui se prend en position. Peut-être chercher. On voit qu'on monte tout en haut. Elle est Voros. Qui a déjà pété ce magnifique mur. Allez, Orbitu. Information, on le sait qu'on est là. Peut-être essayer de le choper. Très difficile, hein. On prend pas le risque. Ah, le C4 qui a pas passé. Mal joué. C'était tenté. Il a quand même pris quand même des. A perdu quand même de la vie. Hein. Allez, on voit du côté Sinès du côté bleu qui va entrer magnifique sur BP, Théo. On va revenir sur moto. Allez, il y a du mute, attention, le brouillage. Allez, on continue dans cet élan. On ne sait pas où ils vont attaquer. Hein. On voit du côté de SCT Sport qui sont en train de se positionner sur sa défense. On voit Valkyrie qui va balancer son magnifique C4. S'il y en a qui passe, vous comprendrez pourquoi. Je sens que... Attention un C4, hein, faut pas faire attention. Allez, on y va. Il reste toujours 50 secondes. Allez, on n'a pas le choix du côté de Sword. Il faut commencer à attaquer. L'heure tourne. Allez, il reste toujours 40 secondes. Allez, il faut commencer à bouger. Allez, ça fait ultra rapide. On est passé en 4v4. Attention, on essaie de voir la formation. On essaie de faire tomber sur les balles. On est passé en 3v3. Attention, c'est très équitable, équilibré de chaque côté. Il reste toujours 27 secondes. Ça va être compliqué pour les deux équipes. De toute façon, la Sword, ils ont pas le choix. Il faut qu'ils essayent de poser cette bombe. Allez, on y va. Il reste 20 secondes. Ça va être compliqué pour eux. Surtout qu'ils ont pas la formation. Ça va être très difficile. Encore 15 secondes. Allez, 15 secondes. On n'a pas le choix. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut poser. Il faut avoir la formation directement. Ça va être compliqué, on est passé en 3v2. Allez, il faut qu'on continue dans cette voie. Il reste toujours à peine quelques secondes. Il faut poser. On n'a pas le choix, ça va être compliqué pour eux. Surtout qu'ils vont chercher ce duel. Et voilà, SCT Esport qui gagne ce magnifique B1. Et là, ça se termine. GG, 7-3 sur le score. C'était extra rapide. Hein. 7-3 sur le score. Je demandais s'ils sont dispo pour l'interview. Diving deep into the waves, babe. I know that you wanted to. It's a risk worth taking. Even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine. Got your body close to mine. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, cause my body's what you like. Call me if it's only for tonight. Your hands on my body, cause my body's what you like.
it on the down low, just us two. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine. Got your body close to Ouais. Attends, désolé, je suis là. Comment tu vas? Ça va et toi? Moi, ça va bien. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce magnifique match de ce soir? Bah, en vrai, hein, je peux te mytho, on a joué un peu. On jouait pas, enfin, sérieux, mais voilà quoi. On y allait tranquille parce que. On attend là, on n'a pas notre 5. Notre vrai 5. Donc on a pris un peu là, on a fait le match tranquille. Hein. Pas de mytho. D'accord. Vous avez quand même eu chaud qui a de toute façon la Romatada du côté de Soulard, hein. Ouais, bah en fait, enfin, moi assistant, j'ai un peu trop les touches, j'allais pique le T1 là, je fais n'importe quoi. Et en bas, même en bas là, je meurs bêtement. Je pensais qu'il me voyait pas depuis la dirt et en fait, il m'a mis un travers. Je pensais que l'armoire me cache complètement et je pense qu'il avait un petit pixel sur moi ou ma tête, je sais pas. Et après, on a dit vas-y les gars, on met le dernier round là, on troll pas. Et voilà, on l'a mis. Hein. Exactement, bah en tout cas, GG à votre équipe, à ton équipe et ainsi de la Souvarn. Hein, et puis, maintenant, peut-être une prochaine fois pour la suite. Hein, et pour un bon petit week-end comme ça, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à se reposer hein, pour la reprise pour lundi. C'est vrai. Ouais. Voilà. En tout cas, GG à vous. Merci pour le cast. De rien, avec plaisir. Voilà. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée. Merci à toi. Ciao, ciao. Allez, ciao. Voilà, c'est là que ça se termine. Voilà, tout simplement, hein, en tout cas, GG aux deux équipes hein, pour ce magnifique Challenger en division hein, SCT qui remporte sous un score de 7-3. Hein, nous, on se retrouvera sûrement peut-être demain à 21h et lundi 21h. En tout cas, lundi, ça a confirmé, mais dimanche, ça a confirmé aussi. Mais voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous un beau week-end.